Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et contentement d'Ankea que m'y retrouve en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays, La Réunion, pour se causer, hein, ce journal en créole. J'espère que Zot l'est en pleine forme et que Zot est prêt pour bien commencer cette journée plus que pluvieux. Hein. C'est une journée, apparemment, Banaï annonce à nous de la pluie, pas trop gaillard. Bon, entre dire et faire, c'est deux choses tout à fait différentes. Quand même, on s'annule la pluie des fois et ben, il tombe pas. Voilà un petit peu. En tous les cas, mi salut les personnes là bien connectées sur le bassin océan Indien. Les branchés du côté de Maurice, Rodrigue, les Seychelles, les Comores, dans le bassin du canal du Mozambique. Là, on a un peu suivi nous, était là, partout, était là. Et puis, c'est les Calais, là-bas, du côté l'Hexagone, du côté de la France. Tiens, bon, ensemble, ça, tu restes bien connecté pour avec nous hein, ce vendredi. Matin, alors vendredi matin avec des informations assez intéressantes. On a quand même pas mal de choses assez intéressantes dans ce journal-là et on a beaucoup de faits divers aussi. Hein. Donc c'est un journal, il faut prendre avec des pincettes. Et puis entre ce que Banaï dit et ce que Zoti annonce et la vérité, hein, avec ce que Nena, la vraie vie, bon, des fois on a un grand fossé, hein, faut faire très attention, il faut bien lire entre les lignes de la main médirée. Allez, à Saint-Pierre, un boug armé d'un grand couteau, là il agresse un collégien, un marmaï à l'école, là, pour voler le sac. Hein, les policiers, la commune de Saint-Pierre l'a arrêté ce jeudi après-midi, un boug dans une, à peu près d'une quarantaine d'années, armé d'un sabre, il venait de voler le sac à dos d'un collégien, rue Auguste Babet, les faits, la produit a lieu ce jeudi après-midi, aux alentours de 17h, 5h l'après-midi, l'homme âgé d'une quarantaine d'années a été agressé l'adolescent, hein, en volant son sac, donc dans la rue là, et il était armé de un grand couteau. La victime, c'est un jeune homme, les autres personnes, donc elle était aux alentours, elle était la police, la commune hein, de Saint-Pierre, maintenant t'es patrouille dans le secteur. Le collégien, il explique que le boug la vole son sac. Pourquoi vole son sac? On ne connaît pas. Hein. Donc la vole son sac, voilà un petit peu, mais il ne connaît pas, en train de réfléchir que ça avait dans le sac le marmaille. Peut-être avait autre chose dedans aussi, la fête intéresse le boug, peut-être avait le rhum dedans, on ne connaît pas, hein, on ne sait jamais, hein, parce que maintenant, avec les adolescents de maintenant, les assez compliqués. Donc, les policiers municipaux l'ont appelé des renforts, parce que pour un boug avec un grand couteau, peut-être complètement déglingué, donc l'appeler du renfort, on en arrive combien, 200, 300, non? Allez, donc, pour sur les lieux, pour identifier le présumé agresseur, donc le suspect est trouvé sur place, il était en train de fouiller le sac à dos de l'adolescent avec son sabre, toujours à la main. Les policiers, la commune l'a intervenu et l'a sorti cette arme, l'a dégainé un peu comme dans le Paris, ou dans les autres villes en France, ou ici, même aussi la Réunion aussi, hein, donc le boug avec son grand couteau et son sac à dos, le marmaille, il a dit ok, dans son tête, face à tous ces gros bougs là, bien gros, bien costaud là, mieux vaut m'y laisse tomber, donc lui, laisse tomber, puis ça va, hein, donc Banana gagne un petit appel à lui, la police l'amène à lui au commissariat, au commissariat, donc la police municipale a été très heureux d'avoir fait ce boulot, ce travail. Donc un adolescent, les adolescents maintenant, ils attaquent Banna, les faits, à force de dire que les adolescents ils rentrent avec couteau dans les écoles, ils apportent des armes dans l'école, ils apportent de la drogue dans l'école, ils boivent autour de l'école, ils font tout ça là, du coup le bouc dans sa tête l'a dit, certainement doit avoir le rhum, doit avoir une affaire, non, être râpé, voilà un petit peu, c'est la faute à qui? Ça ne connaît pas, c'est la faute à qui. Donc voilà un petit peu ces affaires qui arrivent pour ce vendredi. Mais rappelle, ça se causait la Réunion vendredi, c'est le dernier à causer la Réunion de cette semaine, hein, parce que nous, comme on est du lundi au vendredi. On a oublié de saluer aussi là les personnes dans m'y arrive sur mon bon fichier là. Salut les personnes là qui les connectées sur les réseaux, qui lancent à nous des petits messages. Tiens, bon ensemble. Hein, donc c'est vrai que m'y répondent pas trop. Des fois, m'y prend un petit peu de temps pour répondre, mais m'y répondent quand même. Pour YouTube, moi, m'y répondent. Hein, sur Facebook, normalement, c'est notre technicien en chef là-bas, il répond. Hein, donc là, c'est lui occupe de l'autre côté là-bas.
Allez, nous les partis avec avec André Tianakoun qui a grandi le parc des palmiers. André Tianakoun qui a grandi le parc des palmiers. Donc c'est bonne boucle, bonnes employés travaillaient dedans. Et il a grandi, c'est tellement pas avec son argent. Et comme on me dit souvent, il a grandi avec l'argent des contribuables. Maintenant, c'est tamponné là, mettre l'argent dedans. Et puis l'État de Nayamone, la région Nayamone, tout ça là. Mais avec cet argent-là, il a fait, il a payé des gens pour faire l'agrandissement du parc. Hein. C'est l'idée que lui a eue. Et ben, quitte à Tianakoun ne s'y laisserait aller, ben, il planterait palmiers partout, hein, donc toute la commune, machin. Le maire du tampon, ben, l'a souhaité présenter avec modestie, hein, la réalisation d'une envergure sur la, voilà, sur la commune, hein, le parc dédié aux palmiers. Il est en cours d'extension, il devrait devenir une des références de la biodiversité de l'océan Indien. André Tianakoun, il dit que ben, les gaillards, ce que il a fait, plus de 1250 variétés, qu'il a été présenté dans ce parc emblématique du tampon. Le maire l'a présenté devant les caméras, pas devant le NAD, t'es pas là, hein, donc des travaux d'extension du parc des palmiers. Alors, ben là, il devrait attendre, atteindre 21 hectares quand même. Il fait quand même un petit paquet quand même. Hein. Et sera 6 km d'aller le promenade pour les bonnes tamponnées, bonnes de vous voulez aller faire le sport, on est là-bas. Tianakoun qui dit ce lieu va contribuer à la renommée de la France dans l'océan Indien avec 2-3 pieds coco. Donc voilà, il y fait un ouvrage exceptionnel pour la biodiversité et l'environnement. L'élu précise d'ailleurs qu'une délégation venue des États-Unis sur sa commune pour observer le travail qui a été fait, pour observer le travail qui a été fait, parce qu'ici, il n'y a pas personne qui observe ça. Et puis, sur le plan français, la pointe. Donc, il faut que les États-Unis, là, ben, ils viennent observer un pied coco, là, ici. Regardez s'il pousse bien, s'il y a tout machin. Et mais il rappelle à ça aussi que les pieds de palmier, l'arrière-côte des pieds de palmier, hein, les gaillards, les jolis, fait de l'ombre pour certaines personnes. Mais c'est une grosse consommation d'eau, hein, parce que quand il occupe un pied coco, là, qui arrose, mais dit coco, moi, c'est la famille de cocotiers, hein, palmier. Hein. Donc, pour arroser tout ça, il faut quand même de l'eau, pas mal de l'eau, hein. Heureusement que, ben, a inauguré là le grand cité Andassi là-bas, la bouche là, dans le fond, la ravine là-bas, la récupérer de l'eau dans le fond d'Assi, mais ben, la va gagner à rose de bande palmier là. Après, dans les barbes, on va créer la sécheresse. Bon, allez. Maintenant, il insiste sur l'importance du parc des palmiers. Il assure que va devenir une référence mondiale. Ben, on dirait Tianakoun, il veut faire un peu de touriste aussi là-dessus. Nous voulons le visiter. Quoique Sarkozy, il est venu aussi en allant regarder, en visiter le parc des palmiers. Lui aussi, il est arrivé à Téhala. Ben, il a trouvé joli aussi. Donc, voilà. Idiot comme ça, c'est la plus grande palmeraie du monde. Il y en a 900 variétés sur 3000 hectares. Ici, sur 20, voilà, donc sur 21 hectares, on va pouvoir observer 1250 variétés de palmiers, ce qui déclare avec fierté le maire, qui ajoute que les dispositifs connectés vont permettre aux visiteurs d'apprendre plus sur l'histoire des végétaux que ça va croiser. Ben, je veux connaître les histoires, que ça veut dire le palmier, comment il est né, comment il fait, comment il machin. Ben, voilà, donc encore une chanson, encore il n'est pas planté pour faire de l'huile de palme en dollars. Bon, il risque de foirer un peu le affaire. Alors, le maire du tampon, là, ben voilà, bon, il a mobilisé quand même pas mal de personnes. Et bon, il a fait son grand affaire, son grand speech là-dessus pour présenter tout ça. Et bon, Didier Houssé dans la modestie, mais ça, là, c'est des sommes faramineuses que là, a été pris pour arranger tout ça. Hein. Quelque part, ça a été fait comme ça. Et quand on rentre dans le parc de palmiers, c'est vrai que les très jolis, hein, quand on arrive dedans, les très jolis, mais le problème, c'est qu'après la place pour garer la plupart du temps. Hein. Donc, quand on arrive le soir, bien à 4h30, 5h, j'ouvre le coin un peu. Bon, ben, on traverse à côté. Bon, c'est assez compliqué, hein. Donc, voilà un petit peu. Ben là, Diaou, Tianakoun, Diaou, vous êtes capable de faire des grands projets. Voilà. Donc, quand ça, Saint-Pierre, le maire, il fait le parc des je sais pas quoi, là, il y a Saint-Pierre, qu'il peut avoir comme parc. Il peut avoir deux, trois parcs, je sais pas moi. Donc, faudrait peut-être y prendre un peu. Pareil que le maire Saint-Pierre, les autres maires aussi, hein, prend un peu exemple sur. Ben, je prends un exemple. Hein, quand c'est un peu que Tianakoun, il y a deux, trois pieds palmiers plantés. Hein, parce que là, sur la rue du Glorion, on s'en dans là, côté le boulevard Bon, que je m'y trompe pas. Ben là, on a planté un pont. Il y a de palmiers, etc. Donc là aussi, machin, mais si pas tout le monde est plein de palmiers, il aura l'ombrage. Hein. Mais par contre, les palmiers, il faut de l'eau quand même pour arroser, hein, là aussi. Voilà pour les machins. Et puis, vigilance forte pluie et orage dans le nord-est de la Réunion, là, dans le nord, là, sur Saint-Denis. Apparemment, la pluie te touche bien comme qu'il faut. Et même, pas par là d'habitude, midi, un petit point sur la météo en tout début. Ben, du côté de Saint-Denis, aujourd'hui, sur toute la Réunion, il est prévu de la pluie, hein, surtout dans le reste de l'île, là, les concernés par une vigilance forte pluie, des orages. À partir depuis jeudi soir jusqu'à aujourd'hui, vendredi. On a des averses aussi attendues sur les pentes de la zone jusqu'à vendredi, comme on avait dit, des cumuls de pluie importants, les aussi attendus.
attendu. Les pluies pourraient prendre un caractère assez orageux, hein, et la Météo France qui précise que la vigilance pourrait concerner d'autres secteurs de l'île au fur et à mesure de l'évolution de la situation de la météo. Là aussi, prenez votre précaution si vous êtes là besoin d'aller bas de Carré, Saint-Denis ou aller à gauche et à droite, parce que vous risquez d'avoir de la pluie. Entre ce que la météo y dit et la réalité, des fois, la plupart du temps, la Michette, un petit coup d'œil dehors pour la météo. Ici, sur Saint-Pierre, elle est complètement dégagée, donc un peu maf, hein, donc je ne crois pas que la pluie va tomber aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà pour cette histoire, ça va de l'autre côté là-bas, faites très attention, ne pas être pris dans la pluie et puis arriver aux des problèmes aussi, hein, surtout les éboulements sur la par place là et dans les nids de poules un petit peu partout sur les routes de la Réunion, on est tellement bien fait. La SPL estivale, il lance un préavis de grève qui a été déposé pour le 13 novembre. L'intersyndicale y annonce boycotter le comité social économique, c'est-à-dire le CSE pour la SPL, et qui déclare avoir déposé ce préavis de grève le 13 novembre. Les syndicats FO, CGT, CFDT, ils boycottent la CSE de la SPL qui est prévu ce jeudi après-midi pour parler d'un plan de sauvetage des emplois après le placement en redressement judiciaire de cette société-là, la SPL. L'intersyndicale, il explique ne pas avoir confiance avec la nouvelle équipe dirigeante. Il parle notamment de contrats qui lient la CIRES et la SPL. Estival, lequel serait à l'origine des problèmes financiers auxquels l'organisme les prit en dedans. Hein. Donc, avant d'aller vers les recommandations présentées la semaine dernière au tribunal, l'intersyndical, il demande à regarder d'abord les salaires et aussi ne pas écarter un plan de départ volontaire et offrir la possibilité à certains de partir ou pas. Donc, en gros, ce que Zoti veut, pour le plan, Zoti veut que certaines personnes démissionnent, ça va de notre propre gré, il fait ce plan-là pour machin, et sinon ça, vous êtes resté sur place. Et je l'ai remarqué, il dit oh, comment c'est un problème, puis la CIRES a maillé un peu trop dedans, elle a laissé faire un peu trop, et maintenant les autres bonnes de travail, les autres bonnes emplois, les prix en dedans, et les autres les vraiment emmerdés dans la situation. C'est vrai, ces bonnes organismes-là nous regardent, hein, les trucs de Saint-Pierre aussi, là, il y a eu ça avec, à l'époque d'Amile Caro, je ne me trompe pas, là, il y a eu des problèmes dans les histoires des maires, tout ça là, et après, ça c'est un affaire récurrent, il passe un peu partout, hein, dans toutes les communes, les comme ça, il suffit qu'on mette un bouc en place avec sous l'égide de son bonne camarade. Hein. Le maire, il place le bonne bouc, son bonne camarade en place. Après, il ne regarde pas si le bonne camarade n'est dans la capacité pour faire. Et donc, voilà le problème. Et après, ces bonne bougs-là, ils crient, attention, allez pas dire un affaire sur les autres pour dire qu'on n'est pas capable de faire. Ah ben là, il va dire, oh, non, on n'est pas possible. Moi, j'ai fait la pré-école de l'ENA, moi. Maman m'a pas fait grand-chose. Elle a fait la pré-école. Elle m'a pas parti à l'école là-bas, mais elle a fait la pré-école. C'est-à-dire que c'est comme si que ou la partie de l'école en maternelle et on n'a pas passé le CP ni le premier. Comment dans le sud de l'ENA, un maire, elle est comme ça. Il gagne près de 10 000 euros. M'avait vu de chez Johanna. Je vais connaître qui c'est qui. Ah ben, il crie ce forme-là. Il crie l'assassin. Attention, dis pas n'importe quoi. Donc voilà, il porte plainte contre eux. Il dit, il m'a fait une énorme, il m'a fait un bout, il m'a pas fait tout. Donc voilà. Et son camarade aussi là-bas, du côté du rectorat, et ben moi aussi, voilà un petit peu. Quand on regarde un petit peu la situation à La Réunion, on nous regarde les bad bougs, les en place, et nous regarde un peu notre bande camarade, donc en train de gagner ben il veut dire, ou que par la suite, nous autres aussi, nous sommes gagner ben donc voilà, en gros, et ces bad moons-là, la plupart du temps, ils prétendent pas qu'ils disent que c'est une affaire. Il prétend pas, on dirait il marche sur coquille de zèf, on dirait les susceptibles, je veux dire une affaire, il faut pas dire, donc voilà. Et je tiens à rappeler à Zot que moi, t'es à l'arme, les migrants pas subvention pour lire communiquer, moi, hein, donc pour dire il faut pas dire telle chose, telle manière. Alors moi, si je vois la vie, la Réunion, comment on est en train de tourner en charrette chavirée, en déglinguer, mes profs à dire que voilà, elle est comme ça. Donc même que on aurait gagné l'argent pour cacher Zot mensongerie, on n'aurait pas fait. Hein, donc on aurait changé, aller faire autre chose que de faire des choses pareilles. Hein. Il rappelle à Zot aussi que depuis des décennies, ces bonnes hommes et ces bonnes bougla, ces bonnes femmes et ces bonnes bougla, ils ramassent à nourrir avec menteur dans la politique. Et tout le temps, ils arrivent, dans les temps d'élection, ils arrivent, ils ramassent menteur, ramassent menteur. Et donc là, les élections 2026, ils arrivent aussi, là, machin. Et nous commençons à voir les bonnes hommes politiques et les bonnes femmes politiques sortir des projets. Des projets qui tiendra pas peut-être pas la route. Par exemple, là, il tardera pas bientôt, moi, t'es en train de causer avec un dallon en moins là, pour dire que, à bientôt, ça sortit encore le projet de la route de
Alexis Laroche, ben oui, la pluie s'est tombée là, c'est la saison cyclone, il arrive là, la pluie, ça a commencé à tomber, la saison des pluies arrive, ben, ça commence à tomber, ah là, ben là, ça commence à dire 50 millions, 100 millions, mais avant ça, si je ne me trompe pas, on avait l'ancien président, la partie passe commune, commune en commune, quand lui là, lui a voulu remettre à lui à l'ordre du jour, ben là, quand il a la baise à lui directement là, à l'argaï, les parties donnent 50 millions ici, chaque commune a gagné la monnaie, non, on n'a pas fait rien, ça c'était pour des projets qu'il devait faire là, et personne n'a pas fait, et là il veut dire oh, comme ça que là bientôt là quand les élections ils arrivaient, avant les élections ils arrivaient, les élections le maire, je ne me trompe pas, train comme, et non, les élections le maire, ou sinon ça c'est, oui, il y en a le maire, après il y en a aussi là, Macron aussi arrive là, donne pas longtemps, comme dit, donne pas longtemps, au moins un an, deux ans, c'est pas longtemps, hein, là, en politique, deux ans, trois ans, c'est pas longtemps, hein, attention, hein. Donc là, il commence à sortir des projets, et là où on commence à voir ces bonnes vautours là, avec dans le bon rond-point, en train de faire un papier, ou sinon ça vient coucher de porte par équipe de 10-15, il marche karaté, le bras karaté dans le chemin comme ça là, donc il mobilise toute la route, hein. Je fais une photo, mais vous voyez, vous êtes marmaille. Allons, mais il ne faut pas mettre photo la tête de Ben Moon, parce que sinon, ça va n'importe plainte contre moi. Ya, ya, il m'a baisé dans cette société-là. Comment il faut faire, non? Faut mettre. Ben, même que ce soit un gars d'un ordre, là, t'as une traversée, tu fais une photo dessus, voilà. Allez, nous, les parties, nous restons avec l'actualité. Je vous ai quand même pas mal de choses à dire. Et nous, les aujourd'hui, vendredi, déjà 6h13 sur Télécréole. Et mes rappels à Zot, c'est l'émission, c'est le vrai direct, hein. Donc, c'est pas un direct, un faux direct, hein. On a un peu fait faux direct? Oui, on a un peu fait faux direct. Bon, allez, nous les partis à Tiala avec ça il fait pas ça c'est le drame à la possession, une cagnotte pour les victimes, hein. L'association Un cœur, c'est un cœur, donc qui organise une cagnotte pour soutenir financièrement les familles touchées par le triple meurtre de la possession qui a été fait samedi dernier. La mère de la possession, il partage sur les réseaux sociaux la cagnotte Litchi lancée pour l'association Un cœur, c'est un cœur pour venir en aide aux familles de la victime d'Abraham B. Ce samedi, elle a été ce dernier a tué sa mère et sa petite nièce, aussi un agent d'entretien Crédit Agricole, hein, Jean-Charles Jobrida. Vanessa Mironville précise sur les réseaux sociaux que les fonds récoltés par l'association seront intégralement reversés aux familles pour les accompagner à Zot pour tous les frais imprévus auxquels ils devraient faire face. Et dans l'histoire, il ne dit pas nous si la commune, Vanessa Mironville, dans sa commune, la commune, il fait un geste, il donne un monnaie aussi. Hein, là aussi, c'est bien de demander des cagnottes là-bas. Mais aussi, c'est bien aussi de participer, hein. Là, nous ne connaissons pas combien. Il faudrait peut-être, dans le journal. Enfin, dis-nous dans le journal combien, à la hauteur de combien la commune y participe. Donc, la commune y participe peut-être pas. Donc, peut-être y participe aussi, hein. Faut savoir. Nous, on a dit à Zot, hein, si Zot y participe, les gars, on a dit que Zot n'est pas bravo à Zot si Zot a participé. Mais si Zot y parle des communiqués sans participer, à quoi il sert à Zot de passer les communiqués? Laisse les réseaux sociaux faire Zot travail, hein. C'est comme si Zot a dit un bon affaire, Zot. Bon, allez, nous, les partis avec 24 établissements scolaires de la Réunion, que l'a reçu le même message d'alerte à la bombe hier matin, après une pause durant la journée du férié du 1er novembre, les alertes à la bombe dans les établissements scolaires a repris depuis avant-hier. La réunion, d'après le rectorat, 24 établissements que l'a reçu ce courrier d'alerte à la bombe, elle était identique. Hier matin, la levée des doutes par les forces de l'ordre a été très rapide. Si aucun constat d'intrusion a été constaté, donc il permet maintenant de commencer les cours plus rapidement possible. C'est ce que Banane a dit hier matin là-bas au rectorat. Alors donc ces histoires de bombes là, la fine prendre un pied maintenant, hein, c'est Ben Moon là de faire des alliettes à la bombe, mais maintenant gendarme, il fait plus trop un cas avec, hein. Ben là, il s'assure place, ça contrôlé, il regarde. Ben là, c'est des spécialistes, Ben Bougla. Quand il dit un mail, il regarde toutes les mails, il ressemble, il dit à où comme ça, bon, là point un lieu d'inquiète à où. Je jette un petit coup d'œil pour voir si vraiment on est là ou sinon ça la point. Mais malheureusement, avec ces bonnes affaires-là, des fois on a l'impression que les gens ils tâtent un peu le terrain, voire un peu, ils sondent un peu les force de l'ordre avant de commettre des affaires assez graves quand même. Mais malheureusement ici à La Réunion, on a ces choses-là qui viennent de l'Hexagone, de l'autre côté là-bas, qui a été importé par certains personnages pour faire ces choses-là ici à La Réunion. Quand on nous parle, souvent on parle de mieux être, mieux vivre ici à La Réunion, la puce, hein, attention, hein, parce que Waman de Moun dit oui, ici à La Réunion, nous n'avons mieux un savoir-vivre, un savoir ici là, vu que La Réunion n'a plus du tout. Et non, encore, nous, on est tellement colonialisé que moi, on est parti dans un bureau, on dit, non, c'est
pas de Réunionnais, il fait ça. Ben, Réunion, ben, voilà, donc, et le monde est réunionnaise, même en dehors, oh, ça, c'est pas de Réunionnais, il fait ça. Mais, ben, l'appareil réunionnais, si la Réunion n'a plus d'étrangers que de Réunionnais ici. Donc, là, maintenant, voilà, l'égalité n'a plus, hein. Donc, voilà. Nous fermons la parenthèse, là-dessus, et pour ces alertes à la bombe, voilà, un petit peu. Et puis, on a vu aussi, le préfet, là, voyez ses drones, ces trucs comme ça, là, il colle deux, trois moun, là, pour être en train d'essayer de faire des ennuis, dans la société, publique. Voilà. Et là, il y a encore Noël, les fêtes, tout ça, là. Ce qu'il faudrait dire, peut-être, là, c'est faudrait que le préfet commence à faire des arrêtés là au jeu du même et de dire complètement il arrête toutes les fêtes, hein, toutes les fêtes, par exemple Noël, le 31 décembre, de trucs comme ça, il faut arrêter, mais il faut pas arrêter rien que ça même, hein, toutes les fêtes, bonne camarade, il fait des grandes, il a des grandes manifestations là, 5, 6, 7 000 personnes, ça aussi il faut arrêter aussi, hein, il tardera pas, ben là aussi on aura des problèmes aussi, hein, là aussi il faudra peut-être arrêter ça, faut pas arrêter simplement les fêtes, tout ça, le petit malheureux, il a besoin d'amuse à lui, des trucs comme ça, parce qu'il y en a deux trois gratels, la partie à les jets de galets, la partie à petit machin là, mais et ceux qui connaissent ces bonnes mounes-là qui s'aident, mais pourquoi je ne s'attrape pas et enferme pas déjà avant. Voilà un petit peu pour la situation en terre là. Nous les partis à Saint-Denis, trois mineurs qui jettent un extincteur sur une voiture, une mère et son enfant qui est légèrement blessé. Trois mineurs, trois marmailles, donc elle a pris à Zot l'idée de prendre un extincteur, de balancer sur la voiture d'une femme avec son marmaille à l'intérieur. Donc lundi 30 octobre, dans le quartier de Montgaillard, la police a attrapé trois jeunes marmailles qu'elle avait aspergé de produits et jeté un extincteur sur un véhicule en mouvement. À bord du véhicule, ben, là, a une marmaille 4 ans qui a été très choquée et légèrement blessée. Elle a été prise en charge par le secours. Les trois auteurs doivent répondre à d'autres actes devant le juge des enfants. Est-ce que quand il fait des bonnes affaires comme ça, là, c'est encore le juge des enfants? Quand c'est encore des enfants qui fait des affaires comme ça, c'est juste dans le train des adultes. Faudrait peut-être mettre Azot dans avec un juge pour adultes et puis juger Azot comme des adultes. Hein. Nous l'a été marmaille quand nous étions jeunes. Mais pense pas qu'on a fait des conneries comme nous voit actuellement là. Hein. Devant le juge des enfants, c'est ce qui précise les forces de l'ordre. Hein. Alors il dit à nous, c'est une mauvaise habitude qui semble installée sur lui. Une mauvaise habitude, c'est plus qu'une mauvaise habitude. Lancement de galets, divers objets sur le véhicule en mouvement, un événement que les pas sans rappeler, ben, Adiano, l'accident que l'arrivée des galets le 30 septembre dernier, là, donc plusieurs personnes l'avaient jeté sur la route nationale 1 depuis le pont du rond-point Sacré-Cœur, ben, elle a jeté sur des véhicules en circulation dans le sens Saint-Denis Saint-Paul, plusieurs galets qui ont été apportés sur place à l'aide d'un chariot que ben, a parti trapper dans un supermarché, également que l'a jeté sur la voie sur une voie de circulation, la passagère du véhicule ben, a été criblé par les jets de pierre, ben, une mère de famille de 25 ans, là, des sautes à vie, est mort. Hein. Donc, les quatre mineurs suspectés d'être impliqués dans cet accident, ont été interpellés et présentés au tribunal. Les deux mineurs vont être mis en examen pour coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est ça, entraîner la mort sans intention de la donner. Si vous jette galet dessus un moon, son loto il roule ou un affaire comme ça, ou ça tabasse le moon, ça baisse des coups de galet. Alors là, c'est sans intention de la donner. Faudrait ben aller, si mettons pas dans la constitution, ben on a changé ces histoires sans intention de la donner. Hein. Quand ça va là-bas, là c'est pas sans intention de la donner, ou la lance galet, ou connaît que ça est arrivé, ou on a l'intention de tuer la personne, voilà. Des coups mortels, ben voilà, ces personnes-là les crouées à demain jour, les deux autres. Sera mis en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou de délit. Ben là, t'es complice, t'es ensemble, a dit te toucher, maintenant, ça t'es machin, faudra pas ça t'enferme, ça te mettre ça dedans aussi, hein. Donc, voilà un petit peu. Ben là, mais ça va faire à moi, ça tire à moi les foudres des associations pour bonne marmaille. Quand un marmaille a fini arrive à ce stade-là, là, est-ce que c'est encore un marmaille? L'ami pose en moi la question, quand un marmaille, il dit, oh, c'est encore un marmaille, c'est encore un marmaille, des avocats encore pour défendre Azot, pour dire, ben, là, il fait pitié, ouais, il y a là. Mais quand on arrive à tuer un marmaille, il commence à tuer une moune, là, ben, il est plus un marmaille, il est classé quasiment pire qu'un adulte. Donc, il faut essayer de trouver une solution, faire une affaire pour lui, hein. Donc, est-ce que la prison, c'est la meilleure des solutions? Je ne sais pas, hein. Donc, voilà, aussi, la télévision, là, bientôt, ben, on va, ben, juge là, non, ben, les avocats, plutôt, ces avocats, ils aiment défendre un petit peu. Ben, les avocats, là, on va mettre 2-3 PlayStation, ou 2-3 Xbox, 2-3 jeux Nintendo, par quoi, là, on va pour maintenant. Bon, on va dire, ben, fait pitié, voilà, donc, quand ça était encore petit dans le ventre de cet moment, ça avait été traumatisé, c'est pour ça que ça tirait en se galer sur le monde. Allez, nous, les parties étaient là, révision des prix,
des produits pétroliers au 1er novembre. On va finir de parler de la Réunion, on va parler du côté de Mayotte. Mais salut toutes les personnes, les Maoré qui regardent nous. On a comme pas mal de personnes, hein, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou dans les émissions que nous fait. Banal est là. Moi, du moins, dans mes émissions, on a quand même pas mal de Maoré, Maoraises ou des gens qui habitent des Réunionnaises ou des Réunionnais que la partie Installazote, machin, même à Madagascar, on a quand même pas mal de personnes qui regardent à nous. Maurice, tout ça là. Donc, le préfet de Mayotte l'a annoncé, la révision des prix maximum des produits pétroliers que la rentrée en vigueur le 1er novembre 2023. Une révision qui est inscrite à lui dans le cadre de la réglementation qui prévoit la mise à jour mensuelle de ces prix-là. Là, un peu comme la Réunion, c'est le même communiqué, sauf que les prix changent à l'intérieur. Donc, pour le mois de novembre 2023, ben, il y a eu une baisse des prix sur l'ensemble des produits pétroliers, principalement dû à la réduction des coûts sur le mondial. Donc, moyen, voilà, dû à des produits pétroliers, ben, cette baisse, il traduit par une diminution de 5% du prix du gasoil et de 17,9% du prix de l'essence. Une légère dépréciation du dollar par rapport à l'euro, 1,6% par rapport au mois d'octobre 2023, l'a également contribué à la baisse. Voilà, donc, la conséquence des prix à la pompe, hein, donc, une réduction de 13 centimes pour l'essence et de 2 centimes pour le gasoil là-bas du côté de Mayotte. Voilà, la bouteille de gaz, ben, là-bas, si vous êtes à Mayotte, la bouteille de gaz de 12 kilos, son prix, ben, elle est stable pour vous de l'autre côté là-bas. 25 euros, le prix maximum à partir du 1er novembre 23, mais donne à le prix là-bas, vous êtes de l'autre côté là-bas. Carburant 1,82 quand même, là c'est chaud quand même, par rapport au mois précédent, ben, moins 13 centimes. Gasoil 1,68 là c'est haut quand même, hein, moins 2 centimes, hein. 1,70 à 1,70 la dernière fois, donc voilà. Le pétrole lampant, il fait cul beaucoup manger avec pétrole, vous connaissez, maintenant on tombe de la mèche lampe pétrole avec une mèche un peu en coton, il fait cuit là, il fait cuit manger là-dessus, ils vendent toujours ça, un peu comme les boutiques chinois ici à La Réunion de temps longtemps. Et donc 1,28 par rapport machin, et puis le gaz, comme on avait dit azote, hein, donc les prix maximum, toutes taxes comprises et calculées, tout d'abord les prix maximum les calculer, il faut bien dire azote, les calculer après que toute bonne gros moineau là, la fine trappe, toute la fine mettre dans votre poche, la fine tirer votre bonne intérêt, votre bonne capital, tout machin, la fine gain bien tout toucher le bonne affaire, ben voilà, il laisse le petit miette, il arrête pour bonne là. Voilà, l'actualité n'a une fin, mais il rappelle à Zot aussi que nous nous retrouvons le dimanche matin entre 10h et midi pour l'ambiance familiale, hein, bien sûr, avec Zot émission, Zot bande dédicace, tout ça que vous envoyez à moi. Et là, il va aller sur Gramoun l'a dit, arrête ton larme crocodile. Crocodile, il pleure, pas on dirait ce que Ben avait dit à moi. Mais quand ça fait un larme crocodile, il veut dire, oh, comment vous avez fait l'hypocrite dans la case, hein, Moun. Allez, nous les partis avec la météo d'aujourd'hui, la Réunion, on a du beau temps ce matin comme du beau temps pour personne, aucune île, hein, peut-être Maurice n'a un peu de beau temps, les feux couverts, et la Réunion, on a de la pluie, il est prévu toute la journée aujourd'hui, ce matin comme cet après-midi, et puis Mayotte cet après-midi et ce matin n'aura de la pluie. Voilà, m'y remercie l'haleine que l'été à la technique pour se causer la Réunion, ce journal, m'y désolé, tiens, beau serré l'arc pas, m'y donne un autre rendez-vous pour une prochaine édition d'ici lundi matin à partir de 6h, et comme il dit toujours, si bon Dieu l'a pitié, porte à Zot bien, bon week-end à Zot. We'll be right back.